Okay, nochmal an die Reisenden um uns herum. Wir sind heute hier, um gegen die ungerechte und oftmals tödliche Politik, die Migrantinnen von Europa fernhält, von den reichen Ländern dieser Welt fernhalten will. Es natürlich trotzdem nie schafft, aber einfach viele Menschenleben als Opfer kostet, zu protestieren. Heute ist der weltweite Aktionstag für die Rechte von Migrantinnen. Die leben, die migrieren, um zu leben. Es soll keine weiteren Toten mehr geben, keine weiteren Verschwunden. Dafür stehen wir heute ein. Ich möchte jetzt das Wort geben an einen Vertreter des selbstorganisierten Refugee-Protestes, die hier in Berlin auf dem Oranienplatz zurzeit ihren Protest in die Stadt tragen. Docteur Yahya Fall, sociologue mauritanien, demandeur d'asile politique, représentant peut-être pas le représentant, mais au moins parmi les réfugiés qui sont présents en rang et en place pour manifester leur mécontentement et dire non aux lois racistes qui sévissent en Allemagne. Yahya Fall, mauretanischer Soziologe, Repräsentant des Camps am Oranienplatz und oui. 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 Alors dans ce jour où se célèbre la journée globale de la liberté de mouvement, la journée globale de migration, les réfugiés et demandeurs d'asile de la proteste signifient évidemment leur solidarité et font partie prenante de ce mouvement. Nous sommes les réfugiés ont marché 600 km pour venir à Berlin, occuper une place stratégique, occuper une autre place devant le Parlement, faire une grève de la faim, et tout ça pour demander trois choses fondamentales. Ein solidarisch mit der Bewegung. Sie sind 600 Kilometer hergekommen, haben jetzt den Oranienplatz besetzt, einen Hungerstreik gemacht, nur um drei Punkte zu fordern. Alors, les trois choses fondamentales que nous demandons, c'est stop à la Residenzpflicht. Also die drei fundamentalen Punkte, die gefordert werden, sind erstens Stopp mit der Residenzpflicht. Ende der La Residenzpflicht est une oppression légale qui nous met dans des camps de concentration. Les lagers sont des camps de concentration. Die Residenzpflicht sind wie Konzentrationslager. Die Lager sind wie Konzentrationslager. Et ce n'est pas exagéré de dire que ce sont des camps de concentration. Parce qu'en 2012, l'Allemagne, qui est signataire de la Convention de Genève, signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signataire de toutes les conventions européennes, met des personnes encore dans des lagers qui sont des camps de concentration. Es ist nicht übertrieben, das zu sagen, denn entgegen der Genfer Konvention werden in Lagern mit der Residenzpflicht Menschen untergebracht, und das erinnert an die Konzentrationslager. La contradiction de ce grand pays, c'est qu'il a des citoyens qui sont formidables, mais il a un système qui est raciste. Et ceci est vrai, vérifiable et vérifié. Der große Widerspruch dieses Landes ist, dass es großartige Einwohner hat, aber eine rassistische Politik. Nous sommes arrivés ici pour protester contre les lois racistes, et deuxièmement, nous demandons l'arrêt des déportations qui ne sont pas justifiées parce qu'elles ne sont que l'application d'un capitalisme effréné qui oublie les droits fondamentaux des êtres humains. Wir sind hierher gekommen, um zu demonstrieren gegen die Abschiebung und Abschottung von Europa und von ja gegen Migranten. Et la troisième chose que nous demandons, c'est la fermeture des lagers.
Nous le demandons effort et le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux des êtres humains. Donc stop Residenzpflicht, stop deportation et close lager. Ce sont les trois demandes fondamentales que nous demandons. Et nous n'allons pas quitter Berlin et nous allons manifester tout le temps jusqu'à ce que ces trois demandes soient prises en considération. Und der dritte Punkt ist die Schließung der Lager. Also, das sind die drei Punkte. Ende mit der Residenzpflicht, Schluss mit den Abschiebungen und die Schließung der Lager. Wir werden nicht aufhören, das zu fordern, bis diese drei Punkte erfüllt sind. Et enfin, j'appelle tous les citoyens et citoyennes allemandes à venir revoir, nous soutenir à Oranienplatz, où nous allons décider de nous battre même pendant l'hiver. Comme vous savez, nous avons occupé une école, mais l'école nous sert seulement pour dormir. C'est juste un lieu où nous faisons dormir les demandeurs d'asile. Notre lieu politique, c'est Oranienplatz. Notre combat politique, c'est Oranienplatz. Et nous allons résister tout l'hiver à moins 20 degrés, s'il le faut, mais nous allons résister à Oranienplatz jusqu'à ce que le système allemand comprenne que nous sommes des êtres humains. Und ich lade alle deutschen Bürger und Bürgerinnen ein, zum Oranienplatz zu kommen, wo wir planen, den Winter zu verbringen. Wir haben zwar eine Schule besetzt, aber diese Schule dient nur zum Schlafen. Unser politischer Ort ist und bleibt der Oranienplatz und dort werden wir bleiben, bis unsere Forderungen alle drei erfüllt sind.